En fait, ce que m'amène à penser la question de la pandémie, c'est la lourdeur des apprentissages dans nos sociétés. C'est long avant qu'on comprenne le message, c'est long avant qu'on maîtrise l'ensemble des données qui nous permettent de réagir, qui nous permettent de nous repositionner. Ben avant la pandémie, dans les villes, on était là où on a à peu près toujours été. La ville est un phénomène d'une extrême complexité. La ville, c'est par définition de la congestion, c'est par définition de la proximité, c'est par définition des enjeux qui concernent effectivement des grands groupes de population qui sont sur des territoires relativement restreints. Et donc, ça ne peut pas faire autrement que d'être associé à toutes sortes de problèmes. On a juste à penser au problème des déchets, par exemple. On a juste à penser au problème du rapport à l'environnement dans les villes. Et donc, on était là où on était depuis longtemps, mais avec certaines préoccupations qui avaient émergé quand même depuis deux, trois décennies, notamment sur les questions environnementales, la question de la mobilité, les problèmes de transport avec la surdépendance à l'automobile. Ce sont quand même des problèmes qui avaient pris le dessus et dont on comprenait bien là, qu'il fallait trouver des solutions et que les solutions n'étaient pas nécessairement dans le registre des solutions du passé. En urbanisme, on a souvent réagi à des crises sanitaires ou des crises de surpopulation. Le 19e siècle est exemplaire de ce point de vue-là. On commence dans les années 1830-1840 à voir des philanthropes, des médecins, des hygiénistes documenter les problèmes de salubrité des villes, les piètres conditions de vie et de travail des populations ouvrières. Et donc, on a été obligé de réagir parce qu'en parallèle à ça, il y avait aussi qui venait s'ajouter à ce qui est l'ordinaire de la défavorisation, venait s'ajouter les grandes épidémies. Les épidémies de choléra à à partir des années 1840. Ce sont les ingénieurs qui ont apporté les premières solutions. On a assaini les villes, on a implanté les réseaux d'égouts et d'aqueducs, on a prôné la démolition d'îlots insalubres où les logements étaient de mauvaise qualité, les densités de population beaucoup trop fortes. Et donc, on avait pris en charge un certain nombre de problèmes qui étaient là depuis très, très, très longtemps. À partir des années 60-70, on a bien compris qu'effectivement, c'était une chose de soigner les gens, mais qu'on devrait peut-être se préoccuper davantage de s'arranger pour que les gens ne tombent pas malades. Et donc, la question environnementale est redevenue d'une certaine importance dans le domaine de la santé publique, parce qu'on a réalisé effectivement qu'il y avait des conditions de vie qui n'étaient pas favorables à une bonne santé. C'était souvent les gens les plus démunis qui étaient les plus vulnérables. Et donc, il fallait revenir à ce qu'avait été la préoccupation du 19e siècle, c'est-à-dire comment on peut traiter l'environnement pour régler des problèmes de santé publique. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est que pendant des années, on a cherché des moyens, on a été inventifs pour ramener les gens en région sans jamais avoir de succès. Puis la pandémie est arrivée et tout d'un coup, les régions sont devenues le milieu où il fallait vivre. Avant les années 1950, il y avait une très large partie de la population qui demeurait en zone rurale. Ce qu'on voyait, c'était pour l'essentiel des familles qui vivaient sur des petites propriétés agricoles, donc qui vivaient d'agriculture de subsistance. À la fin des années 70-1980, les régions du Québec n'allaient pas bien. Elles étaient désertées. La structure économique mondiale avait changé de moins en moins basée sur l'extraction des ressources. Et donc, on s'est dit, bien, là, il faut faire quelque chose pour les régions. Ça va pas très bien. Mais en même temps, il y avait deux discours à cette époque-là. Deux façons d'entrevoir le développement. Puis toute une histoire, en fait, de théorie du développement. Qu'est-ce que le développement, puis comment on doit le faire? Alors, il y a des gens qui disaient, il y avait des partisans qui disaient, des célèbres économistes, élus municipaux, bon, et tout ça, qui disaient, bien, ce qu'on doit faire pour fortifier l'ensemble du Québec et aussi les régions périphériques par la bande, c'est
c'est de favoriser uniquement le développement de Montréal. Particulièrement, Québec n'était même pas encore dans les plans à cette époque-là, c'est venu un peu plus tard. Donc, on s'est dit, on va fortifier Montréal, on va favoriser le développement de Montréal, on va tout faire pour que Montréal se développe. Et ce qu'on va espérer, c'est que la prospérité économique va ruisseler lentement, mais sûrement, vers les régions. Ça, c'est la théorie des pôles de croissance, en fait. Fait que là, il y avait ces partisans-là, mais en même temps, à la même époque, il y a des gens qui ont dit non. Le développement doit se décider d'abord et avant tout par les régions elles-mêmes, celles qui sont concernées. Fait que là, on est en la fin des années 1970, oui, effectivement. Et à partir de ça, ont eu lieu les célèbres travaux du BAEQ, le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec. Donc, on a fait un projet pilote avec le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Alors, on a fait plein de consultations auprès des populations locales. Ça a pris 4 ans, là, en fait, là, pour faire tout ça, ces consultations-là. Et en fait, à la grande surprise de plusieurs personnes, il y a beaucoup de gens qui n'ont rien compris de ce qui s'est passé, on est arrivé au constat qu'il fallait fermer les municipalités. Parce que ça ne pourrait pas fonctionner, elle ne pourrait pas se développer. On avait prévu 108 fermetures. Donc, de déraciner, d'arracher des gens de leur milieu de vie et d'aller, excusez-moi le terme, les parquer dans les centres urbains du Bas-Saint-Laurent, dans des logements sociaux. Il y a eu une dizaine de municipalités qui ont été effectivement fermées. On brûlait les maisons, les bâtiments, on disait « le village disparaît ». Les régions du Québec se vidaient quand même beaucoup là, de population, des jeunes particulièrement, qui partaient étudier évidemment en ville, mais qui ne pouvaient pas revenir parce qu'il n'y avait pas de possibilité d'emploi. On revient en région. Pas partout, mais à plusieurs endroits. Puis il y a des endroits qui, dans des régions, en fait, où on avait mis beaucoup d'efforts pour ramener les jeunes, bien, ramener n'importe qui, en fait, mais particulièrement les jeunes, évidemment. Ça a été le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui en a bénéficié le plus. Ensuite de ça, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, qui ont gagné beaucoup, beaucoup de personnes. Et ensuite de ça, il y a l'Estrie aussi, qui a eu beaucoup un gain en démographique, particulièrement. Ouais. Une ville qui serait plus juste, qui offrirait des conditions égales pour tout le monde, ça passe forcément, effectivement, par un souci des individus, mais aussi des individus en rapport avec la nature. La société québécoise, avant la pandémie, elle se comportait dans la vitesse, certainement dans une certaine consommation, avec à la fois du temps de travail, du temps de loisirs, du temps de socialisation, mais tout ça de manière assez régulée, encadrée par les routines, les trajectoires de mobilité qui permettaient d'aller de la maison au travail, de la maison à l'école, de la maison au magasin, dans des canaux que l'on connaissait, oui, marqués par une idée de la famille, des amis, de la société, de la communauté, souvent un esprit ou un sentiment d'appartenance à sa ville, à son équipe de sport, à sa communauté de collègues et de voisins aussi, oui, dans une certaine mesure, mais dans une perspective où le rapport d'aide à l'autre était peut-être moins évident, moins visible, moins fort. Et ce qui m'apparaît avoir été exacerbé justement par cette crise sanitaire, cette pandémie, un besoin de se retrouver, d'échanger, la mise en lumière aussi de l'importance de ces liens
qu'on pourrait, que les sociologues qualifient de faibles, c'est-à-dire les liens sociaux qui s'illustrent dans nos rapports avec les commerçants, qu'on ne connaît pas de manière intime, mais qui nous reconnaissent quand on vient chercher notre café le matin, le rapport avec certains profs que l'on côtoie, sans entrer justement dans leur vie privée, mais en sachant qu'ils nous reconnaissent. Cette reconnaissance par l'autre, elle était acquise. On avait l'impression que c'était un fait incontestable, avéré, inébranlable. Et ça, ça a été sans doute ébranlé justement par la pandémie. Bien, la pandémie a révélé effectivement qu'il y avait encore des écarts très significatifs en qualité de vie d'un quartier à l'autre, que la densité se déclinait pas de la même manière dans certains quartiers par rapport à d'autres quartiers. Les tours résidentielles du centre-ville ont été beaucoup moins touchées que des quartiers comme Saint-Michel, Parc Extension, Montréal-Nord. Et donc, la pandémie est venue nous rappeler effectivement ce qu'on savait déjà. Il faut comprendre qu'à l'intérieur de Montréal, à l'intérieur de toutes les villes du Québec, à l'intérieur de toutes les régions, il y a aussi des disparités socio-économiques, socio-environnementales, socio-sanitaires qui sont importantes. Et on a eu tendance à l'oublier parce qu'effectivement, il n'y avait pas eu de grands chocs. Ça se savait dans certains milieux, mais il n'y avait pas eu cet électrochoc qu'a été la pandémie pour dire, bien là, voyez-y, parce que c'est une chose de le constater, ce serait peut-être une chose qu'on s'attaque au problème et qu'on réduise ces écarts socio-sanitaires, alors que ça avait été une des grandes réussites du 20e siècle de comprimer les écarts entre les statuts socio-économiques là, presque aux extrêmes. Et c'est une des choses qui a été révélée par la pandémie parce qu'on a pointé du doigt rapidement la question de la densité. On sait, la densité dans l'histoire de la ville est un problème parce qu'effectivement, la densité, c'est aussi de la compacité, c'est aussi de la proximité. Et donc, les maladies y trouvent un terreau particulièrement intéressant. Donc, on a pointé du doigt la densité, mais la pandémie nous a montré que la densité seule n'expliquait pas tout, que la densité, avec des conditions de vie moins favorables, que la densité avec du surpeuplement des logements, que la densité dans des quartiers où il n'y a pas d'espace vert, il n'y a pas d'espace libre, où on peut aller s'aérer au sortir du logement, que ça venait ajouter une couche. En revanche, on voit bien que le réflexe, ça a été de condamner la densité. Les gens qui ont dit la banlieue est beaucoup plus sécuritaire, tous les gens qui ont décidé de déménager en banlieue ou en région, ce sont des gens qui ont réagi de la manière la plus usuelle depuis l'histoire des villes, c'est-à-dire de fuir la ville quand il y a des problèmes, parce que la ville, elle est affublée de tous les maux. Et dans ce cas-là, bien, c'était évidemment la pandémie. On pourrait dire, en fait, c'est assez paradoxal que du jour au lendemain, presque avec la pandémie, ce qu'on observait comme effet négatif ou point négatif de vivre en région, l'éloignement, par exemple, la distance, le peu d'accès aux services, le peu de concentration de population et tout ça, est devenu un plus. En fait, c'est assez intéressant, les gens qui ont fui la ville parce qu'ils se sentaient prisonniers, avaient besoin d'espace, ne voulaient pas voir personne. On se rappelle, on se remet dans le temps qu'il fallait restreindre nos contacts sociaux. Puis, en fait, le marché aussi de consommation
et du travail s'est dématérialisée très, très, très rapidement. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'est mis à pouvoir acheter n'importe quoi, en fait, en ligne. Puis après ça, ben, il y a tout, les Zoom et Teams de ce monde qui nous ont permis de pouvoir travailler à distance très facilement. Donc, peu importe le nombre de kilomètres qui nous séparaient de notre milieu de travail. Et ce qui fait en sorte que finalement, cet éloignement-là s'est transformé en quelque chose de positif pour les personnes qui voulaient migrer en région. Quand la pandémie arrive, arrive aussi avec elle une population des nouveaux résidents qu'on appelle les néo-ruraux. Le premier constat qu'on peut faire là, avec l'arrivée de toutes ces personnes-là, qui, les néo-ruraux, mais aussi une partie qui reviennent, donc les migrants de retour, comme je le disais tout à l'heure, ceux qui, les jeunes qui étaient partis et qui décident finalement de revenir, c'est que ça a mis une pression extrême sur le logement. Le logement, sur l'accès à la propriété. Puis en fait, ça, c'est... La pandémie a été accélératrice de ce mouvement-là. On le voyait déjà poindre à l'horizon. Je dirais que ça fait une bonne vingtaine d'années, donc ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on dit on ne construit pas assez de logements, on ne construit pas assez de logements abordables, ce qu'on appelle des logements sociaux. On ne rénove pas notre parc immobilier. On va se retrouver avec des problèmes. Arrive toute cette personne-là et finalement, on se retrouve avec un taux d'occupation de 0% ou qui frôle les 0%. Pour une société, ce n'est pas vivable, ce n'est pas tenable, ni sur le court terme, ni sur le long terme. Et en termes sociaux, c'est énormément coûteux. On se retrouve avec des personnes qui vivent à la rue, qui se retrouvent à la rue, des familles qui se retrouvent à la rue, qui vivent dans leur voiture. On voit ça beaucoup. L'itinérance visible, c'est-à-dire des personnes qui dorment dans la rue, on ne voyait pas ça il y a 5 ans. Ou si peu, de façon très anecdotique. Mais maintenant, à cette île, on a des itinérants qui demeurent dans la rue. Et j'y étais moi-même, je parlais avec des étudiantes en travail social là-bas, me disaient que le plan d'action pour gérer, excusez-moi le terme, là, mais ces personnes-là qui vivent dans la rue, c'est de leur donner un billet d'autobus puis de les retourner à Québec et à Montréal. Parce qu'on n'a pas les ressources pour agir auprès de ces personnes-là. Plusieurs personnes arrivant en même temps s'arracher les maisons, il y a eu une surchauffe. En fait, on l'a vu durant la pandémie. On voit ces personnes-là arriver des zones urbaines, qui arrivent en ville, qui ont un salaire plus élevé, donc plus de moyens, et qui s'accaparent plus facilement, en fait, les propriétés parce qu'elles ont plus de moyens. On va le dire ça comme ça, tout simplement. C'est sûr que ça aussi, ça a causé des frictions. On parlait de frictions avec les néo-ruraux tout à l'heure. Ça en a été une aussi, là, particulièrement. Ce rendez-vous que constituait le rendez-vous télévisuel, on va le dire comme ça, hein, de la conférence de presse du premier ministre à tous les jours pendant le printemps 2020, on pourrait dire qu'effectivement, c'était un geste citoyen qui était partagé par un grand nombre de Québécois. Et moi, j'ai une bonne conviction que la citoyenneté active, c'est un antidote au cynisme, un antidote à la démobilisation, un antidote même au populisme, que cette citoyenneté ordinaire, on pourrait dire, c'est-à-dire d'interaction, mais tout de même engagée envers la collectivité, envers la vie en société, ça nous permet justement de se prémunir contre des réflexes de repli sur soi, d'individualisme, de « tant que tout va bien pour moi, je me fous du reste ». Les
l'échelle urbaine, l'échelle de la ville et peut-être même plus particulièrement celle du quartier, du milieu de vie, du voisinage, de la petite ville, on pourrait dire, de la petite municipalité. C'est une échelle où c'est possible d'entrer en rapport avec l'autre et donc de vivre la citoyenneté active. Ce qui s'est passé pendant la pandémie par rapport à ça, c'est aussi une prise de conscience de la part des élus à tous les niveaux, mais peut-être encore plus fortement au niveau municipal, au niveau local, de l'importance de cette contribution, de cette implication citoyenne, de l'effet amplificateur, multiplicateur que ça pouvait avoir quand les habitants s'appropriaient une idée, s'appropriaient un projet, et à quel point ça pouvait contribuer à une santé non seulement démocratique, mais une santé environnementale aussi, puisque les individus, les habitants prenaient en charge certains rôles. J'estime et j'espère que plusieurs de ces personnes-là vont rester. Il y a aussi beaucoup de services qui sont développés durant la pandémie pour faciliter la vie des personnes, des néo-ruraux, comme des personnes qui sont là depuis longue date, bien sûr. Alors, ça, quand même, c'est un plus. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que ça prend au moins 5 ans. D'habitude, là, dans les études, ce qu'on voit, c'est ça. Ça prend 5 ans pour convaincre une personne de rester ou non dans une zone dite plus éloignée, moins bien pourvue en services. Puis ça, tous les agents de développement dans les CLD, dans les MRC ou quoi que ce soit vont vous le dire, ça prend 5 ans. Puis après 5 ans, si la personne accepte de vivre avec les petits inconvénients de vivre en région, bien, va le faire pour un bon bout de temps. Ensuite de ça, bien, toute la question aussi de comment les municipalités vont gérer les conflits entre les néo-ruraux et les résidents de longue date, bien ça, il y a des choses qui sont à penser. Puis pour bien faire comprendre qu'une zone rurale, c'est par exemple une zone de production, qu'une zone d'agroforesterie, bien les arbres vont être coupés. C'est plate, c'est triste, mais c'est ça pareil, parce que c'est ça notre économie, puis ça, c'est pas une personne qui peut changer ça. Fait que bon, ça, il y a des choses là, à clarifier à cet égard-là, puis ça va dépendre comment les municipalités vont le faire. Puis ça, c'est très variable. Mais il y a aussi et surtout le soutien, je pense, du gouvernement du Québec à l'égard de l'habitation, notamment, le maintien des écoles aussi. Parce que même si moi, je m'en vais déménager dans une ville, mais que j'ai 3 enfants, puis que finalement, l'école va disparaître, mais c'est pas vivable sur le long terme. Alors ça, c'est sûr que le gouvernement du Québec a beaucoup là, de choses à faire à cet égard-là pour soutenir le développement des petits milieux. Je crois que l'implication citoyenne depuis qu'on est officiellement sorti de la pandémie reste... Qu'elle reste un moteur, qu'elle reste une envie pour plusieurs d'entre nous, pour plusieurs habitants. Ils ont créé des liens, ils ont développé des initiatives, ils ont vu que c'était possible d'amorcer des changements et qu'il y avait une réponse de la part des gouvernants, une réponse favorable à ces idées de projet, un accent mis sur les achats locaux, l'importance du développement économique local, des commerces dans notre quartier, de ne pas s'en remettre strictement aux grandes bannières par lesquelles on avait des fournitures très utiles par ailleurs pendant la pandémie. Donc, il y a eu plusieurs niveaux dans ce sens-là, une prise de conscience de l'importance du local qui reste. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le peu de cas qu'on fait à la question environnementale. On n'avance pas vite. Et ce qui est préoccupant, c'est que la dégradation environnementale pourrait nous rendre de plus en plus vulnérables à des phénomènes comme la COVID. C'est-à-dire que ça pourrait générer, on le sait par exemple, la destruction des milieux forestiers, des milieux naturels au gré des poussées d'urbanisation fait qu'il y a de plus en plus de contacts étroits entre les animaux et les humains. Et on sait que ça peut être un des vecteurs de développement de problèmes de santé publique. Et donc, le fait qu'on ne bouge pas assez rapidement sur l'environnement
peut à la fois être la cause de nouveaux problèmes de santé publique, de nouvelles pandémies, et être aussi la cause d'une vulnérabilité croissante dans les populations. Et ça, c'est préoccupant, parce que ça se pourrait qu'on ait une capacité de réagir de moins en moins à la hauteur des problèmes auxquels on va être confronté. Ce qui arrive, c'est qu'il y a un changement, il y a une rupture. Les gens se posent des questions, ils remettent en question leurs valeurs. Là, ils se disent « Ah, ben finalement, je suis peut-être quelqu'un qui aime plus la nature. » Parce que sont pris entre quatre murs, essentiellement, dans ce qui est arrivé avec la pandémie. Donc, on se questionne et on prend des décisions. Donc, on fait ce mouvement, on déménage, on s'en va ailleurs ou on trouve des façons d'aller ailleurs. Mais là, la pandémie termine, on se rend compte que finalement, OK, on a le droit de voir les gens, on peut bouger. Puis peut-être que le mode de vie nous convient moins bien qu'on le pensait. Donc, une autre mise en question qui peut se faire. Fait que ce mouvement-là peut se reproduire à l'inverse aussi. Puis on le voit un peu en ce moment. Ce qu'on sait dans toutes les études, c'est que pour que les petites municipalités vivent bien, se développent et qu'elles accueillent des gens, il ne faut pas trop loin une zone urbaine, une municipalité d'importance moyenne au minimum, qui va avoir des services. Or, le développement du Québec présentement, on le pense encore en fonction de développer Montréal et Québec d'abord et avant tout, et pas les autres centres urbains de toutes les autres petites municipalités. Ce qui fait en sorte qu'on enlève des services, qu'on ne soutient pas le développement des services dans ces milieux-là, qu'on ne génère pas d'activité économique non plus, et donc ce n'est pas vivable sur le long terme. Les petites municipalités ne peuvent pas avoir tous les services du monde. Il faut un centre de services, un pôle de services, et ça, c'est des municipalités qui peuvent le faire. Alors, si on ne change pas notre façon de voir le développement du Québec puis des régions du Québec, on n'y arrivera pas. Je pense que la société québécoise est mature et prête pour des changements. Puis à cet égard-là, je pense que les maires, en ayant cette envie de voir les villes se transformer un peu, d'être à l'échelle humaine, de donner plus de place à la participation des citoyens, au dialogue, au débat, font peut-être montre d'une ouverture quant à d'autres façons de faire. Je dirais que le défi au Québec n'est pas du tout de même nature qu'ailleurs en Amérique du Nord, parce que Montréal a un centre-ville qui est très, très résidentiel. Il y a beaucoup de gens qui habitent au centre-ville. On n'a pas vidé notre centre-ville. On est dans le peloton des villes comme, par exemple, New York, où on a conservé une fonction résidentielle très forte. Et la ville est encore là. La ville est encore une incontournable. Ce qu'on sait, c'est que depuis longtemps, effectivement, le réflexe, c'est que si on en a les moyens, on va s'évader, soit de manière saisonnière, soit de manière permanente. Et c'est ça qui a changé, là. C'est la capacité de dire l'évasion va pouvoir se redéployer autrement parce que les conditions qui limitent l'évasion changent.